Hello, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Musicals où on va parler du plus français des musicals, évidemment, c'est Les Misérables. À l'origine des Misérables, il y a deux hommes, dont le premier c'est Claude-Michel Schönberg, qui est un passionné de musique, et plus particulièrement d'opéra et de rock, et ouais, ça existe. Il fera donc de sa passion un métier, en écrivant des chansons, tout comme son compère, qui va rencontrer du coup dans le monde de la musique, Alain Boublil. Et ensemble, en découvrant West Side Story et Jesus Christ Superstar, ils vont avoir l'idée et le rêve de faire leur première comédie musicale, et pour monter leur projet, ils vont s'inspirer d'un grand événement historique français, la Révolution française. Alors avant que ça soit monté sur scène, il va y avoir un album concept, c'est-à-dire un album avec juste les chansons de ce qui pourrait être le spectacle, et il y aura un plutôt bon succès avec 350 000 exemplaires vendus, dont le single Chouan en avant qui a eu un bon succès aussi en se classant en tête des ventes. Et grâce à ce succès, le spectacle va voir le jour au Palais des Sports en 1973. C'est un spectacle du coup entièrement chanté et c'est considéré comme le tout premier opéra rock français. Changer de main. Deux ans plus tard, nos deux compères, ils vont aussi découvrir la comédie musicale Oliver à Londres. Oliver, ça va leur rappeler Gavroche dans le roman de Victor Hugo, Les Misérables. Et après la Révolution française, bah, ils se sont dit que Les Misérables, ça pouvait faire un très beau succès aussi. Et encore une fois, ils vont faire un album concept qui va avoir un bon succès. Et encore une fois, ils vont pouvoir monter le spectacle au Palais des Sports, cette fois en 1980. Ça sera mis en scène par Robert Hossein, rien que ça. Et un superbe succès, cette fois, avec 500 000 spectateurs. Et on aurait pu s'attendre à des prolongation, mais malheureusement ils doivent rendre la salle et du coup aucune prolongation possible. Mais le succès de l'album va traverser la Manche et va arriver jusqu'aux oreilles de Cameron Mackintosh, un grand producteur de théâtre anglais à qui l'on voit aujourd'hui le fantôme de l'opéra, Cats, Mary Poppins. Enfin bon, c'est une légende du West End. Du coup, Les Misérables, ça va beaucoup l'intéresser et pendant deux ans, il va travailler dessus sur l'adaptation pour rendre le spectacle plus accessible à un public qui ne connaît pas le roman d'origine, hein, parce que les Anglais, bah, ils connaissent pas trop Les Misérables, hein, c'est normal. Il va réécrire par exemple l'introduction pour développer le personnage de Jean Valjean en lui donnant une chanson au début du spectacle. Il ajoute quelques scènes et rend la mise en scène un peu plus spectaculaire, voilà, un peu plus divertissante, on va dire. Alors je fais une petite précision sur les paroles des Misérables. Elles ont été écrites en français par Alain Boublil et Jean-Marc Nattel, comme le livret d'ailleurs, et en anglais elles ont été traduites par Herbert Kretzmer, qui est aussi connu d'ailleurs pour avoir traduit les chansons de Charles Aznavour en anglais. Voilà, allez, on peut continuer. Et c'est donc en 1985 que Les Misérables version anglaise voit le jour à Londres, et même si les critiques au départ sont pas très enthousiastes, et ben le public va se prendre au jeu et va adorer, et c'est un succès dès le début. D'ailleurs le spectacle n'a pas du tout quitté la capitale anglaise depuis, c'est assez incroyable, ça va faire près de 40 ans que ça se joue. Et évidemment, le spectacle ira aussi à Broadway, où il restera 16 ans à l'affiche, ce qui est vraiment un plutôt beau succès, surtout pour Broadway. En France, le spectacle reviendra en 1991 au Théâtre Mogador, avec la mise en scène de cette version anglaise, mais bon, ce sera pas vraiment un très gros succès. Bon, au fur et à mesure des années, évidemment, le spectacle est devenu culte, et évidemment, Hollywood s'est emparé du phénomène, et en 2012, une adaptation cinéma arrive sur grand écran. Le succès critique est assez moyen, même si les acteurs font ce qu'ils peuvent en chantant en live, il y a un très beau cast. Hugh Jackman, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried ou encore Anne Hathaway qui va gagner un Oscar pour son rôle dans le film. Pour ma part, je trouve le film plutôt pas mal, ça permet de découvrir les chansons de la comédie musicale, l'histoire, mais bon, c'est vrai que c'est pas vraiment dénué de défauts.
had a dream my life would be so different from this hell I'm living, so different now from what it seems. Alors pour les quelques-uns qui ne connaissent pas l'histoire, je vais résumer grosso modo. On suit le destin de Jean Valjean, un ex-bagnard qui a refait sa vie et élève sa fille adoptive Cosette, dont la mère est décédée et dont elle a confié la garde du coup à Jean Valjean, qui est devenu un honnête homme maintenant et qui aujourd'hui essaye d'en se sortir tant bien que mal pour lui et pour sa fille. Bon, vous l'avez deviné, on va pas beaucoup rigoler devant cette comédie musicale, mais c'est vraiment un classique à voir une fois dans sa vie. C'est très prenant émotionnellement, aussi bien par les chansons qui sont incroyablement bien écrites que par la mise en scène qui est très spectaculaire et ultra bien rythmée. Même si vous ne parlez pas très bien anglais, c'est impossible de ne pas être pris par cette émotion-là qui se dégage de ce spectacle. Je parle surtout de la version anglaise, hein, parce que je n'ai pas vu et je n'ai pas d'éléments de comparaison de la version française. Alors, petit aparté, ils ont fait quelques ajustements depuis en 2019 sur la mise en scène, qui n'est pas la même que celle d'origine. Je pense qu'ils l'ont un peu modernisée pour la mettre un peu plus au goût du jour. Mais en tout cas, quand on voit le spectacle, on n'a pas du tout l'impression de voir un spectacle qui date de 1985. Et c'est ça qui est très fort, c'est que aussi bien l'œuvre de Victor Hugo que le spectacle, que la comédie musicale ne prennent pas une ride et sont toujours autant d'actualité et sont toujours aussi prenants émotionnellement. Et du coup, je pense que c'est pour ça que Les Misérables ont encore de beaux jours devant eux à Londres ou même partout dans le monde. D'ailleurs, on dit que ça pourrait très bientôt revenir en France, on espère, on croise les doigts, parce que j'aimerais beaucoup que le public français puisse y avoir accès plus facilement, parce que bah, c'est hyper français, hein, Les Misérables, on peut pas faire plus français. C'est quand même incroyable que cette comédie musicale ait un plus gros succès à l'étranger que chez nous, mais bon, c'est comme ça, et j'espère que la prochaine fois que ça arrivera en France, eh bien qu'il y ait un meilleur enthousiasme, et que ça encourage à faire plus de comédie musicale comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bah, n'hésitez pas du coup à réagir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu ou qui la connaissent plus ou moins, que beaucoup de gens l'aiment, cette comédie musicale qui est maintenant culte. N'hésitez pas à réagir en commentaire, j'attends ça avec impatience, comme d'habitude. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et surtout à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, on a passé les 500 abonnés. Ça fait très plaisir pour une petite chaîne comme la mienne qui est un peu sur un sujet de niche. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Regardez des spectacles musicaux. Ciao !